qui est déjà très imprégné. Et on retrouve tout de suite parmi les chevaux qui sont bien placés une casaque blanche de Hetzel du numéro 9, associé à Zoé Trapnar, Jamaïcaine des Vallons qui semble faire partie du groupe de tête. On retrouve également tout près en 2-3e position une casaque violette, ça doit être celle du numéro 3. C'est Siakolère, semble-t-il, associé à Dom Tiviniam, alors qu'on est parti d'un sur un rythme très sélectif et le peloton est très égrené pour bientôt pénétrer dans le team ligne droite. Il sont encore 5 ou 6 à pouvoir prétendre à la victoire. On voit notamment le long de la corde d'une casaque jaune qui se rapproche maintenant. C'est celle de Mika Soumillon, associé au numéro 12, Ferdi Angelina, qui semble en passe de jouer un premier rôle et de lutter pour la victoire. Mais attention, car des chevaux tentent de refaire du terrain à l'intérieur. On voit notamment la casaque violette de Jules Bernard maintenant qui termine très vite son parcours et qui est également à l'extérieur. Thierry Bernard qui termine vite à l'extérieur. Une lutte entre Soumillon et Bernard. Et c'est pour l'instant la casaque jaune qui a l'avantage, la casaque jaune de Mika Soumillon qui va s'imposer la deuxième place pour Thiago Dernière et la troisième place peut-être prise tout à la fin par Thierry Biovitz Patrick au dépens de Jules Dernière, le numéro 2, qui devrait se placer 4e.